Je crois qu'on va faire un barbecue. On dirait que je vais avoir du travail. Merci de m'avoir libéré. Qui es-tu déjà? Spyro. 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 Je suis un peu fatigué. J'y compte bien. Mais bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Shadowhammer, salut Fun Lily, salut Dr. Nintendo, salut Top Top. J'espère que vous allez bien. Shadowhammer, c'est The Fate of Shenmue is in your hand, pas mind, and now. Le destin de Shenmue est entre vos mains maintenant. J'espère que vous allez bien, on est parti pour ce deuxième épisode de Spyro Riptos Rage. Nous sommes à 9% de complétion, je pense qu'on va le finir avant dimanche. Donc je mettrai les indices du prochain jeu en live demain, on va prendre de l'avance. Pour 3000 points de Whammer, demain vous aurez le premier indice du prochain jeu en live. Et c'est un jeu au choix. L'escroc est de retour pour vous jouer des mauvais tours, Lily. Allez, c'est parti. On va commencer par le top comme d'habitude. Le top avec Dr. Nintendo qui était à 711 000 points, je crois. Ben, 710 000 points, ça n'a pas changé en tête Dr. Nintendo. Et on va faire un point sur le Top Hours. Le Top Hours... Docteur Nintendo en tête, 526 heures. Et le WAM se rapproche des 500 heures avec Top Toff. Putain, il aura pas fait long feu, Spyro. Bah, ça se finit en 8 heures, hein. 8-10 heures, donc je pense que on va le terminer. Ce sont des très courts. Ce sont des jeux très courts, oui, effectivement. Et je vais vous donner un indice puisque vous êtes là en avance, vous êtes là, vous êtes les premiers à être présents. Nous allons faire un jeu exceptionnel. Je peux pas vous en dire plus, c'est déjà un indice. Allez, c'est parti, messieurs, on se lance. Bon live à vous. Installez-vous confortablement dans votre canapé avec les chips et le cola. On reprend notre aventure sur Spyro. Tout de suite, maintenant. On va le commencer bien plus tôt que prévu. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, monsieur Docteur Nintendo. Je gagne 500 WAM coins par live tellement je les regarde. Ça fait plaisir, Shadowhammer. N'oubliez pas qu'à 250 000 points, vous pouvez avoir votre commentaire personnalisé. Donc c'est le niveau de Ratchet & Clank. C'est quoi? C'est le niveau hommage à Ratchet & Clank, mais nous n'allons pas le faire, messieurs. Nous allons revenir au deuxième niveau ou au premier pour récupérer des orbes. Moi, ça sera point d'exclamation Nessie. Et faudra. Et qu'est-ce que tu comptes mettre comme phrase Shadowhammer?
Qu'est-ce que tu veux mettre comme phrase? Ah, c'est avec les ennemis Ratchet & Clank. Allez, alors... on va essayer de retourner au premier niveau si on arrive à trouver, bien entendu. Je crois que c'était par là, non? Attendez, mais il y a un truc ici, je t'ai jamais venu, non? On n'était pas venu là, non? Si, c'était là. Donc, on va regarder sur le carnet. Sur le carnet, dans le niveau... c'est le niveau Urikos. Le niveau Urikos... attendez, non, le niveau Urikos, c'est le niveau... voilà, lueur. Le niveau lueur. Donc le niveau lueur, il était où? Le Dracarys vient déjà des lives YouTube. Comment ça, il vient des lives YouTube? Alors, c'était où? C'était par là. Qu'est-ce qu'il y a récupéré par là? Ah, on peut monter directement ici. Il y a le courant d'air comme dans le premier épisode. Ok. Donc voilà, le niveau lueur est ici. Donc on m'a demandé de bien chercher. Mais on va voir. J'ai une question. GTA 5 en entraînement sniper ou Minecraft pour faire une imprimerie? GTA 5 niveau sniper, je dirais. Ah oui, on arrive déjà dans un niveau. C'est ça que j'avais pas compris, en fait. Vous m'avez dit de bien fouiller. On va essayer de bien fouiller alors. Ouais, c'est vraiment un niveau de présentation quoi. Vraiment un niveau de présentation. On arrive dans un niveau. Oui, parce qu'on est arrivé ici. Effectivement, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas récupérés. Bon, mission trouver l'orbe, les gars. Mission trouver l'orbe. Les ennemis t'attaquent même pas. Il y a moyen de monter. Pour info concernant les orbes dans le niveau, ce seront les PNJ qui ont les orbes et dans les mondes, les orbes seront planqués. D'accord. Donc faut que je trouve un PNJ. Donc attendez, il y a une orbe ici, mais à partir de 10. De gemmes sont trop. Mais ici, l'orbe, on pourra le récupérer que quand on a la spécialité. À grimper, reviens me voir à lueur. C'est ça, donc faudra revenir à lueur quand j'aurai appris à grimper. Ok, 10. 10 et maintenant 10, là c'est ouvert, effectivement. Donc il y a un pouvoir spécial ici. Et que je peux pas récupérer. On a fouillé en bas. Tu me confirmes, Top Tof? Tu me confirmes, il y a bien une lueur à prendre. Il y a bien une orbe à prendre ici. On est d'accord. Mais. Ah, attendez, il y a un passage ici.
Ah ouais, d'accord. Ah, on n'est jamais venu là parce qu'il y a des... Il y a des rubis. Des joyaux top top. Alors, il y a une aile. On va récupérer d'abord tous les joyaux. Tranquillement. Alors, les joyaux. Ici, et après j'ai vu qu'il y avait le pouvoir. Est-ce qu'on peut grimper là? Ok, rien du tout. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Ici, il y a des joyaux. Super! Le bonus super vol est activé et tu peux rallumer nos lampes à gemmes. Allume vite toutes les lampes et la grande lampe s'allumera. Très bien. Donc, attendez, je vais juste récupérer un truc ici. Ok, faut pas que je fasse de virage. J'y allais tout droit. C'est chaud. C'est faisable au moins. Pourquoi il lit pas mon com? Alors parce que je l'ai pas vu tout simplement. Je suis le gardien, j'ai suivi la formation. Tu as suivi la formation de quoi? De gardiennage? Il y a 3 orques dans ce niveau dont une non prenable à cause de l'échelle. Ah, merci Top Top. C'est exactement ce que je voulais savoir. Bon, ici, c'est pas faisable. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce pouvoir? Tu as le bonus vol, c'est pas pour rien. Mais je pensais qu'on pouvait récupérer sans... Attendez, là-bas, il y a quelque chose, je viens de le voir. Attendez, mais je viens de là ou pas? Ces petits lézards ont dévoré toutes mes gemmes. J'ai essayé de leur lancer des pierres, mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer de leur en lancer une. Si tu as la moindre question, demande-moi. Difficulté 1. Bien joué. Suis-moi jusqu'au Ok, le prochain lézard. Attendez, parce que là, il y a 2 orbes. Il doit avoir, à mon avis, celle avec le pouvoir. Et celle... Tu craches très loin, Spyro. Voyons si tu peux atteindre. Écoutez, ça a l'air d'être bien compliqué, non? C'est une visée automatique. C'est la voix Melodias. Qui est Melodias? J'aimerais bien savoir, Lily. Pour atteindre ce lézard, tu dois bien viser. Appuie sur action pour viser, puis appuie sur attaque pour cracher. D'accord. Avance vers une pierre pour la prendre. Je la prenne. Ok, et je vise. Ah, je peux viser. Très bien. Ça a l'air... C'est pas un défi, une étoile pour rien, je vous le dis. On va le suivre. Ah, on va vraiment se déplacer le niveau entier. Merde, il m'en redonne une autre. Avance vers une pierre pour... Pour viser. Ah, attendez, il est où? Ah, il est là-haut, le lézard. Il est là-haut. Ah, il me montre ses fesses. Ah, il est comme ça. La formation du laitier. Dans les Seven Deadly Sins. Les Seven Deadly Sins, c'est quoi? C'est un jeu? Ça me parle. Ok, encore 2, je crois, non? Ah, on traverse tout le niveau avec lui, là, hein. Je pense avoir trouvé le moyen de...
de trouver une orbe, hein, je pense. Avec les indices de Top Top, ça passe. Alors, il est où ? Ici. Ah oui, d'accord. Oui, on est obligé. Ah, il bouge, celui-là. Je l'ai raté. Allez, encore un et on est bon. Eh, par où il est passé là ? Ah, faut que je passe par ici. Faut que je passe par l'îlot central. Ok. Il est où ce Chacalus ? Ah, il est là-haut. Eh, c'est bien joué ça, super les gars ! Tu as sauvé mes gemmes des lézards. Tiens, prends cette orbe. Une fille avec des ailes l'a lâchée ici hier. Effectivement, on avait un peu rushé le premier niveau. Effectivement. Tu vois la différence entre les lézards et les dragons, Doc ? C'est un manga animé. Aucune, les deux sont recouverts d'écailles et me sont faibles. D'ailleurs, je t'ai jamais demandé, Docteur Nintendo, mais ton avatar du Discord, c'est quoi ? Allez, go, on y retourne. Cette fois, on va aller choper l'aile. Ah, c'est pas par là, par contre. Si, c'est par là. Autant pour moi. Hop, bah oui, c'est clair. Ici, là, on t'offre tellement la sortie du... On t'offre tellement la sortie du niveau rapidement que... Bon, les ailes. Il faut que j'allume les loupiottes, c'est ça ? Merde. On va recharger. Je crois qu'il faut que j'allume les loupiottes. Et la dernière. Et c'est magnifique, les gars. Professional Gaming. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. Une fée m'a offert cette orbe, mais je préfère les gemmes. Tu peux le garder. Oh, merci pour cette orbe. Et du coup, je vais pouvoir aller récupérer les joyaux. Ils sont là-bas. Super Sonic. En plus, on a même chopé un trophée. On récupère les orbes et on se casse, hein. On a les deux. Les deux qui sont possibles d'être récupérés. Magnifique. Magnifique. Alors, je comprends pas pourquoi il t'a traumatisé ce jeu. Il y a une chose que j'attends avec impatience, c'est de rencontrer enfin le premier boss. Parce que Top Top m'a dit que les boss, c'était la galère. Voilà, hein, impeccable. Est-ce que dans le niveau 2, il y en a qui sont récupérables ? J'avais voulu le changer un jour, mais je me suis dit que ça faisait si longtemps que je l'avais, que ça ne serait plus moi si je le changeais. C'est un dessin d'un perso de Lucky Star que j'ai fait il y a longtemps maintenant. Ah, c'est toi qui l'as dessiné. Aucune, les deux sont recouverts d'écailles. Le premier boss, ça va encore, mais dès le deuxième, tu risques de galérer. Heureux, je suis pas posé avec Pokémon Legend. Arceus à côté parce que j'ai plus de batterie. Donc le niveau 2, carnet. La Sainte Idole, est-ce qu'elle est récupérable ? Pour la Sainte Idole, est-ce que l'orbe est récupérable, Top Top ? Je vous pose la question. Et pendant ce temps, je vais avancer. Alors attendez, parce que maintenant que je peux aller sous l'eau, peut-être qu'ici il y a quelque chose de caché. Attendez. Oh, attendez. Attendez, il y a un trou. Il y a un trou, les gars.
Il y a un trou, T41, il y a un trou. Comme je lui dirais. Ok. On récupère ça. L'orbe est récupérable, parfait. Bon, on va aller chercher la deuxième orbe de Saint-Idole. Là, j'espère que ça va m'amener sur une orbe. Hein. Attendez, il n'y a rien de caché ici. Non. Rien de caché non plus ici. Ok. Alors, où est-ce que ça m'a amené? C'est que pour des joyaux? Non, c'est pour une orbe, c'est sûr. C'est pour une orbe, les gars. Magnifique. 6 orbes. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser à Saint-Idole. Où est le niveau de Saint-Idole? Ok, alors Saint-Idole. Je crois qu'il est là. Oui, Saint-Idole. Parfait. Oh, le triple bébé, bien joué, Top Top, pour 125 points de Whammer. C'est pas souvent que tu nous fais un slot comme ça. Hein. D'ailleurs, numéro bonus le 10, nous l'avait dit, Top Top, numéro bonus pour 1000 points de Whammer. Écoutez, le Wham va faire un petit gamble à répétition. Hein. Tout de suite, maintenant, souhaitez-moi bonne chance. Oui, il y a un trou de balle sur le live dont je ne dirai pas le nom, mais qui dit. Je suis surpris que Dr. Nintendo ne réponde pas à cette obligeance. C'est parti, Saint-Idole, pour récupérer la deuxième orbe. On a même récupéré 700 joyaux, c'est déjà ça, ça fait plaisir. C'est bon, ta gueule. Ah, va falloir que je les bute. Alors, à mon avis, il n'y aurait pas de... Attendez, je peux aller sous l'eau, ici. Ok. Faut tout fouiller, quoi. Et je pense pas qu'il y aurait une... Je pense pas qu'il y aurait une orbe tout de suite, là, dans les 5 premiers mètres du niveau. J'y crois pas. Ça mérite un peu de challenge, les orbes. Bon, au moins, il y a des joyaux. Il y a des joyaux, c'est... Oh, attendez. Non, il y a un trou. Il y a un trou. Il y a encore un tunnel. Et pour aller où, cette fois? Attendez, un corps... Oh, attendez. Effectivement, j'ai pu me dire n'importe quoi, parce que monsieur a une orbe. Fermé ici avec tous nos outils, et les idoles géantes empêchent les ouvriers d'entrer tant que nous n'aurons pas résolu 3 énigmes. Ah, 3 énigmes à résoudre. Moi, je lis plus le chat que... Je lis plus ce chat que moi sur tous les lives. Super gentil, Doc. Je l'avais dit, je l'avais juste pas vu. Dans ce monde, c'est quand même un sculpteur qui a inventé la poupée gonflable. Oui, il y a un... Je suis en mission sniper actuellement, donc je vois pas tout. La première énigme consiste à rendre tous ces blocs jaunes. Si tu n'y arrives pas, reviens me voir. Ok. Tous ces blocs jaunes. Attendez.
Donc là... Attendez, quand j'appuie dessus... Là, ça active les trois. On a vu ici... Là. Ok. Ok. Action, réflexion. Réflexion. Attendez. Là, ça joue. Les snipers qui voient pas tout et ça se dit supérieur. Désolé d'être un humain et pas un lézard magique vomi. Achète de la peinture. Ah, c'est clair, ce serait pas mieux. Réflexion avant l'action. Effectivement, c'était Toskunk qui nous le disait. Attendez. Attendez, parce que là, j'utilise pas la logique. Les angles. Les angles, ça fait quoi à chaque fois? Les angles, ça fait... D'accord. Les angles, ça fait... Ça agit sur les trois. À chaque fois, ça agit sur les trois. Donc... Attendez, attendez, attendez. Ok. Et que j'éteigne là-bas. Attendez. Mais là, ça m'allume celui-là. Ok, et là, ici, pas bon du tout. Là, ça, donc ça active les trois. Ici, ça active. Trois. Ok. Ok, le problème. Action, réflexion. Action, réflexion. Action, réflexion. Ah, ça y est, c'est bon. Hop. Ah. Quand tu connais l'astuce, c'est tout bête. Et voilà, c'est bon. C'est réglé. Je savais que je pouvais compter. On a réussi. Rejoins-moi à l'étang pour la prochaine. Parce qu'on y arrive toujours.
Oh, j'ai fait le 3. Alors attends, ça y est, je peux ouvrir? Ah non, il y a une troisième énigme. Oh, il m'a dit quoi là? Tu as réussi, Spyro. Je pensais qu'on était réussi, qu'on avait réussi. Rejoins-moi à l'étang pour la prochaine épreuve. L'étang pour la prochaine épreuve, très bien. Alors l'étang, il est où? Putain, double épreuve là quand même, ces enfoirés. Hein. Triple épreuve. C'est ici l'étang, non? Ah bah il est là. L'idole dit qu'elle a faim et qu'elle ne sera rassasiée que si elle avale 10 poissons. Elle a l'estomac fragile, alors fais attention aux poissons que tu lui donneras. Alors, faut faire attention aux poissons qu'on doit lui donner. Alors. Le jaune, elle aime bien. Ah, elle veut des jaunes et des bleus. Elle veut des jaunes et des bleus. Rouge, on fait pas. Rouge, on fait pas. Rouge, on fait pas. Oh, faut avoir un sacré réflexe. Parfait. Oh non! Ah mais tu en perds beaucoup! Elle était facile celle-là. Bien, Spyro. Il ne reste plus qu'une énigme. Rejoins-moi aux pierres colorées pour la dernière épreuve. Pour résoudre cette énigme, il suffisait juste de sauter sur les quatre coins. Ah, mais ça, il faut savoir l'astuce. Faut savoir l'astuce. Alors, rejoins-moi aux pierres colorées. Pour la dernière épreuve. Alors, les pierres colorées. Faut connaître l'astuce, là, Top Top. Hein. Puis là, c'est plus... Il n'y a plus de réflexion. C'est juste que tu connais... C'est juste que tu connais le... Comment ça s'appelle? C'est juste que tu connais... la disposition de l'énigme. Et tu sais ce que ça fait. C'est quand on connaît la réponse, tout simplement. Comme si t'avais des mots croisés avec déjà les mots écrits dedans. Le troll ressemble à jeu de web. Oh, Fun Lily. Ok. Alors. Des pierres colorées. Des pierres colorées, c'est pas ici. Des pierres colorées, les pierres colorées. Les pierres colorées, où elles sont? Les pierres colorées. Ah, c'est ici! Si tu sautes d'une pierre à l'autre dans le bon ordre, tu résoudras l'énigme. Je ne connais que la première pierre. Tu devras deviner le reste toi-même. Donc la première pierre, c'est quoi? Donc c'est l'étoile bleue. Donc est-ce qu'il y a un lien? Alors je pense que c'est les couleurs le lien, non? Ah oui. Ensuite, je dirais que c'est le... Le vert? Non. Donc j'ai trouvé la première, c'est déjà ça. Ok, on va tester celui-là. Oui. Bon, bah, ça va être facile. En se trompant. Attendez, comment ça se fait qu'il me la valide là? Étoile verte.
Attendez. Il ne valide pas toutes les combinaisons. Tout à l'heure, j'ai fait le rond. Ça a marché. J'ai fait celui-là, ça a marché. Non, pas l'étoile. Pas l'étoile. Lily, pas besoin de mettre jeu en avant. Tu peux juste dire Wham. Oui, lui donner un surnom comme Sentenza. 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 Bon. Ok. J'avais déjà fait, autant pour moi. Autant pour moi, j'avais déjà fait. Donc ça. Ça. Et ensuite l'étoile. La lune. Parfait. Ensuite je dirais ça. Ah c'est bon. Ah là 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 les gars. Bien joué, Spiro. Ah je me suis téléporté là où il y avait le coffre. Du coup je peux quitter le niveau. On est d'accord ? Carnet, on a tout. Je peux quitter le niveau. Tu chantes mal, Wham ! Je sais très bien. Je sais très bien. C'était des liens en forme, couleur ou forme. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux quitter le niveau, Top Top ? C'est bon, hein ? Il y avait deux solutions possibles. C'est pour ça qu'il t'a validé une autre combinaison. Ah, parce que je fais pas les choses comme tout le monde, Top Top. Je peux quitter le niveau, ça m'a sauvegardé l'orbe, on est d'accord. Et je peux voyager. Et est-ce que je... Et oui, tu peux quitter. Et si je vais à Colosse ? On est d'accord qu'à Colosse, les trois sont récupérables ? Ou combien sont récupérables pour le niveau Colosse ? N'hésite pas à me le dire, Top Top. Les trois sont récupérables. Il me faudra combien d'orbes pour terminer le jeu ? Putain, oui, il était grand le niveau, là. Avec le Yeti, c'est vrai. Oh, le bateau. Merci beaucoup pour le bateau. Je suis preneur. Il te faudra 40 orbes pour avancer. Oh putain, ouais, 40. Double complétion, parce que... Ouais, il faudra collecter des joyaux, on est d'accord. Faudra collecter des joyaux pour passer de monde en monde. Bon, bah écoutez, va falloir bien fouiller. Tiens, j'avais raté des joyaux qui étaient juste devant quand même. Ok, d'accord, super. En me concentrant, je devrais pouvoir... Oui, vas-y, chante et montre-nous comme tu pues de la bouche. Regardez-moi cette vapeur de qui sort de sa bouche. Attendez, j'avais pas été à gauche, je crois. J'avais pas été à gauche. Si, j'avais été à gauche. Si, j'avais été à gauche. Qui a besoin d'une clé quand il suffit de psalmodier ? C'est un très très bon chanteur, monsieur. Attendez, il y a quelque chose en dessous. Ok. Alors est-ce que... Oh, je peux monter là-haut. Je peux monter. Je peux monter. Attendez, je vois qu'il y a un passage ici. Je ne suis pas venu la première fois.
Je ne suis pas venu ici. Ah si, je suis venu. Par contre, ici, je ne suis pas venu, là. Là. Ah, il faut que j'en bute 11. Sinon, ça ne s'ouvre pas. Même si je suis végétarien, je pense que... Attendez, c'est déjà la fin du niveau ici ? Mais j'ai pas pris un raccourci tout à l'heure. Y a pas d'âme pour eux. Il faut que je bute de l'ennemi là. Attendez. Les jarres aussi. Que faire ? Ok. Est-ce qu'il y aura des ennemis là-bas derrière ? Est-ce qu'il y aura des ennemis ? Mais trois ? Reprends ce conseil de chasseur. Non, mais ça a amené ici directement. Ah non, c'est le faisceau qui s'est créé. Je trouve les collectibles me font penser à ce jeu de Banjo et Kazooie. Mais en moins chiant. Est-ce que tu aimes le jeu Banjo et Kazooie, Shadowhammer ? Ça me donne pas d'âme. 11. Il en faut 11. Par contre, j'ai buté tous les mobs. Ah non, ici. Ok. Parfait. On est donc à 11. Parfait. Ah oui, donc en gros, il faut tous les buter. Sinon, t'as pas accès au truc spécial. Voilà, ça y est. Alors. Ah, ça me permet de monter. D'accord. Là, je vais monter encore. C'est fait exprès. Voilà. Oh là là, il a une âme démoniaque autour de lui, là. Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit, mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûr qu'il partira pour toujours. D'accord, enflammer les 10 statues. Level 3. Alors ici, ah, il y a quand même quelques petits joyaux. J'avoue que je suis pas fan des phases de collectibles. Mais c'est vrai que sur Spyro, j'apprécie ramasser les joyaux, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est par ici, non ? Je pense que c'est par ici. De toute façon, j'ai des indices, parce que s'il y a des joyaux, ça veut dire que je ne suis jamais allé à cet endroit. Pourquoi ? Ouais, non, mais c'est fou, parce que ça t'ouvre carrément des nouveaux chemins. Il y a quelque chose de plaisant. Ah oui, toutes les statues, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est ça, toutes les statues. D'accord. Bon. Attendez, ici, il y en a une. Hein. Et oui, elles sont assombries, effectivement. Ah, je pensais qu'on pouvait passer. Il a assombri toutes les statues. Ah, ça glisse. La glissade. Top, top. Il me semble que la glissade sur la glace, c'est nouveau. Il me semble. Peut-être que je me trompe.
Mais il me semble que la glace, c'est nouveau. Par contre, il sautait pas sur la glace. Double orbe ici ? Oh, bienvenue, Spiro. Nous avons découvert que le hockey est un sport très apaisant. Veux-tu jouer avec nous et tenter ça me fait plein plaisir de t'entendre dire ça. Non, mais moi, je te dis, je suis complètement sincère. Quand je joue à un jeu, je suis complètement sincère. Je vous dis ce que je pense. Moi, si j'aime pas, je vous le dis. De toute façon, vous m'entendez rager si j'aime pas. Et oui, c'est bien nouveau pour la glace. Ok. J'ai jamais compris pourquoi il y avait les Simpsons dans Spyro. Mais le jeu est... Mais le jeu. Et ok, Banjo-Kazooie, j'aime bien, mais j'ai vécu le trauma de une note avant la fin et pouf, plus de batterie. Plus de batterie ? Mais tu jouais à Banjo et Kazooie sur quelle console ? Faire une partie contre le gardien. Oui. 2 minutes pour marquer 5 fois dans le. Ok. 2 minutes pour marquer 5 fois et ensuite on termine. Oh, pas mal. Ouais, c'est ça dont j'avais peur. C'est où ? Comment je fais pour marquer un but, moi ? Ok. Ah oui, d'accord, je le perds. Il faut que j'aille le récupérer. Il faut que j'anticipe. But ! Voilà, c'est ça dont j'avais peur. Un petit peu ces genres de phases qui ne sont qui sont plus hors qui sont un peu hors contexte. But. Golasso. 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 Bon, ça m'a pas l'air d'être bien compliqué pour marquer un but. Hop. Hop. Je suis même pas sûr qu'il est capable de faire un arrêt ce gardien. But ! Et c'est le but de Zizou ! Putain, comment ça, 58 secondes ? Ah oui, pour le cinquième, on te met à 50 secondes, carrément. Ou alors peut-être que j'avais pas fait gaffe. Et but, poteau rentrant ! Magnifique ! Veux-tu disputer un match Oui, on va discuter un match. Ah là, on est sur M. Oh, carrément. D'accord, l'équipe des Grizzlies. Alors, attendez, ils sont où ? C'est où mon but ? Il est où mon but ? Non, à mon avis, je dois marquer dans les rouges. Sur, hop, je les ai feintés. Elle a arrêté. Ah oui, carrément. On ne sait pas chronométrer, c'est déjà bien. Tiens, où il a dégagé ce con ? Attention. Il n'y a pas... Oh putain. Secours ! On va mettre le golasso, les gars. Oh, pas de golasso. Pour la Coupe du Monde. Ah, il arrête quand même des tirs, mon gardien. Ah, je peux lui tirer dessus. Oh, il a marqué, ce con. Attention. Golasso. Tu peux brûler le grizzly s'il te gêne. Exactement. Et dégage. Attention. Golasso. Attention. Hop là. Vite, il va en défense, ce con. Et but. J'ai même pas tiré. Parti où? Ah, et le gardien, on peut le brûler, non ? Tiens, dégage, toi.
pas le brûler, le gardien. Attention, esquive. Oh, ah, il part tout seul. Contre-attaque. Golasso. Non, pas Golasso. Et dégage. Golasso! Allez, encore un but et on est bon. Ah oui, d'accord. Je me fais violenter comme ça. Oh non, j'étais sûr qu'il y avait but. Et il défend bien ce con. On va le marquer ce but. Oh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La partie de foot, elle va durer 1h30. Hé, hey, Golasso, les gars. Bien joué. Prends. Moi, j'appelle si la SPA suffisamment long, pour maltraitance de Grizzly, joueur de hockey. Nous, on appelle Brigitte Bardot, parce qu'on est des anciens. Bien joué, prends cet orbe. Magnifique. Allez, on va continuer à nettoyer les statues. Et on va sortir avec les orbes. Ok, y a pas moyen de se casser d'ici. Par là, peut-être. Ah, mince. Quand on est dedans, on peut... Je fais la passe au gardien. D'accord, donc comment je fais pour repartir, bon là? Est-ce que je dois repartir par là? Il n'y avait pas de statue non plus, hein. Comment je fais pour partir? Attendez, par là et par là. Très bien. Alors, j'arrive ici. Les statues, on en est à 2. 3. On va voir s'il y en a ici. On va faire le chemin en sens inverse. Pas de statue ici. Par contre, il y en avait une ici. Ok, 4. Le problème, c'est que j'en vois pas 5 là. Hein. J'en vois pas 6 même. Hein. À deux mémoires. Si, il y en a une là-haut. Il y en a une là-haut. Pour aller là-haut, je crois que c'était par là. C'était par ici. Ok, Maryse, j'ai écouté la SPA. C'était très... Goal. Ok, 5. Alors, il y en avait peut-être 2 à l'entrée. Il y avait peut-être 2 à l'entrée, mais j'en vois pas. Ici, il y en a une. Très bien, 6. Voilà, 2 ici, 7, 8. Et est-ce qu'il y en a d'autres? C'est peut-être faisable. Peut-être jouable. Et non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les gars. À gauche, attendez. Il en reste 2. Il en reste 2. On n'a pas une ici. Si,
Tiens le got, mon cher Wham, du coup je peux avoir la deuxième maison. Elle essaye de m'acheter, Fun Baby. N'essayerais-tu pas d'acheter le Wham? Attendez, attendez, y'en a ici ou pas? Y'en a pas, non? Elle nous a fait le sud de Cristiano Ronaldo. Non mais attendez, elles sont où là, ces statues de merde? Attendez, on va peut-être monter. Ah, je peux plus monter? Ah, ici. Il y en avait une juste à côté. Putain, les deux dernières, elles étaient à côté, sans déconner. Bien joué, Spyro. Tu as chassé le mauvais esprit. Tiens, accepte ceci. Je l'ai emprunté au temple. Ils n'en ont plus besoin. Mais merci bien, c'est une orbe. Il vaut pas grand-chose, donc ça ira. Un fruit alsacien. Eh, Wham, j'avais une idée de construction. Quoi donc, Lily? Bon, du coup, on peut quitter. On est d'accord, on a toutes les orbes. Eh bien, on peut retourner sur la plage ensoleillée. Les deux sont pas disponibles, c'est ça? Top, top. On dit un orbe, mon cher Wham. C'est vrai? Alors, du coup, la plage ensoleillée, les deux orbes sont récupérables? Un orbe, tout à fait, les deux ne sont dispo. Attends, tout à fait, les deux orbes ne sont pas dispo, c'est ça que tu veux me dire? Ne sont pas dispo? Ne sont dispo ou ne sont pas dispo? Un gros hôtel ne sont pas. Alors du coup, eh ben, on peut commencer ce live avec un niveau inédit après une heure de live. Bienvenue à Urikos, le niveau dédié à Ratchet & Clank. Ben, Google est con. Comment ça, Google est con? Allez, on va voir. De quoi? Les machinistes nous ont toujours causé des ennuis. Mais voilà qu'ils ont installé des champs de force pour nous séparer. Si tu trouves des diodes, tu pourras les désactiver. Je crois qu'il y a une diode quelque part par ici, mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, très bien. Donc il y a une diode à désactiver. Qu'est-ce qu'ils appellent? Ah, c'est... Attendez, attendez, qu'est-ce qu'ils appellent une diode? Ok, d'accord, je me suis noyé. Rush Shadow Hammer. En fait, c'est l'inverse. Ils se sont inspirés de ses ennemis pour créer Ratchet & Clank. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que Ratchet & Clank n'était pas sorti. Puisque Spyro, je le rappelle, est un jeu PS1. D'accord, c'est avec la diode. C'est avec l'ampoule. C'est avec l'ampoule que je peux éteindre les champs magnétiques. Ah oui, effectivement. Ah oui, mais c'est clair. Mais c'est clair, on dirait Ratchet. On dirait Clank, pardon. Le robot, effectivement.
Regardez-moi, l'ancêtre de Clank, il est là. L'ancêtre de Clank. Il est en train de me violenter par contre. Un petit Ratanas. Moi je prends le petit Ratanas. C'est faisable d'aller là-bas ou pas? Je crois que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose de détruire ces moulins, mais bon, on les détruit, hein. C'est toujours ça. On peut aller là-bas à gauche. On peut récupérer de la santé avec le Ratanas, là. Ah, parfait. Une diode ici, parfait. On a deux diodes. On va monter et on va ouvrir le... la passerelle. Non, c'est pas possible, c'est trop haut. Alors attendez, est-ce que c'est accessible? Non, ce n'est pas accessible. Si, peut-être par là. Non, c'est trop haut là. Non, c'est pas accessible. Comment tu fais pour grimper? Écoutez, on va déjà ouvrir. Sentenza, il est là! Bonsoir, Sentenza! Comment ça va? J'ai toujours pas vu Tenet. Et je pense... combien de temps il dure? Je pense le regarder ce week-end, peut-être. Si j'arrive à trouver le temps entre la fin de Spyro et... et on va faire du Gran Turismo certainement demain après-midi. Alors ensuite. On va faire attention au robot. C'est pas là que je voulais ouvrir, mais bon, c'est pas grave. Non mais ils sont violents là, hein. Ils sont violents ces robots. Ils ne respectent pas. On va faire le grand nettoyage de printemps là parce que... J'habite en Réunion. Comment ça tu habites en Réunion? 3 heures il dure, Wamou, enfin 2h45. Ah oui, ça fait long quand même. Ça fait long, effectivement. Écoutez, il y a des boutons derrière. Mais... Et là, il faut que j'en bute 18. Je sais pas combien je suis. Je suis à 13. 14. Parfait, je vais pouvoir ouvrir ici. Mais c'est une fun fact, Top Top, pour l'inspiration de Ratchet & Clank pour, par ce niveau. C'est vraiment c'est une fun fact réelle ou c'est une supposition? J'aimerais bien savoir. Ah, effectivement, l'île de la Réunion, pas en Réunion de prof. Ça serait chiant. Alors moi, j'avais compris l'île de la Réunion. Et il est quelle heure à l'île de la Réunion, là? C'est une vraie anecdote. Ok. Comment je vais faire pour grimper là-haut, moi? Attendez, ça le stun quand je lui fais... Je crois que ça le stun. Oui, j'ai vu une orbe là-haut. J'ai vu une orbe, les gars. Comment monter? Putain, 1200 joyaux. Faut être tranquille jusqu'à la fin du jeu, là.
Exterminateur. Exterminateur? Ça veut dire que j'ai buté tous les robots. C'est pas possible de monter là. C'est pas possible de monter. Attendez, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc là-haut? Ah, c'est un mob. C'est un PNJ. Un orbe! Il est 1h50 du mat. Je fais des semi-nuits blanches tous les jours. C'est devenu mon rythme. Et tu n'as pas cours? Ah, je sais pas là, les gars. Bon, déjà, il y a des mobs ici. On est à 22, on va revenir en arrière. Pour essayer de choper un pouvoir. On va revenir en arrière pour essayer de choper le pouvoir. C'est le pouvoir électrique. Attendez, il me sert à quoi ce pouvoir? Attendez, je comprends pas. Attends, top, là je comprends pas. Ah, il faut que je fasse en mode speed. Ok. Ah, ça va arrêter les ventilateurs. Il va falloir que je les fasse tous comme ça. D'accord. Oh là 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 là. Si, mais pendant la journée. Mais il travaille. Comment ça, il travaille? We are a problem, Houston. Ça veut dire que tous les boutons que j'ai vus, faut que je les fasse d'ici. Oh putain. Attendez, il y en a un où? Il va falloir que j'étudie les chemins et tout. Hein. Ici, il y en a aussi. Hein. Ici, là. Donc, du coup, oh là 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 là. Oh là là là, catastrophe. La catastrophe. Putain, je déteste piloter le Spiron Fury. Oh, magnifique. Magnifique. Et là, je vais pouvoir monter. Spiro, tu vois ce grand bâtiment là-bas? Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. C'est quoi l'espèce de libellule qui me suit? C'est mon indicateur de vie. À part pendant les rushs professorales où je me couche tôt tous les jours, mais sinon tranquille. C'est un fou, ce Shadow Hammer. Alors, toi qui vis à La Réunion, j'ai une question à te poser. Le soir, et c'est propre à La Réunion et à d'autres villes du même secteur, le soir, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Voici la question. Le soir, qu'est-ce que tu vois dans le ciel, Monsieur Shadowhammer? Alors, on va essayer de la choper. Il est chaud, là, à gérer le virage. Parfait, magnifique. Des ovnis, il a dit cet Enza. Donc oui, la libellule qui me suit, quand elle est jaune, ça veut dire que je peux me faire toucher 3 fois. Quand elle est bleue, ça veut dire que je peux me faire toucher 2 fois.
lorsqu'elle est verte, je peux me faire toucher une fois, et quand j'en ai plus, c'est la mort subite. Est-ce que je me trompe, Top Top? Des ovnis, non. Tu es sûr que tu habites à La Réunion? Donc ensuite, j'en ai un où exactement? Il est forcément dans le coin. J'ai du mal à... Il est où celui-là, là? Donc ça me ferait venir ici. Il n'y a pas d'interrupteur pour celui-ci. Il n'y a pas d'interrupteur. Écoutez, j'ai vu un truc, une baie électrique là, une espèce de portail électrique. Ah, ici je suis pas venu. Est-ce que je peux y aller là? Ah, c'est pour une orbe. Ces machinistes n'arrêtent pas de nous voler nos pierres de foudre. Si tu les remplaçais toutes et si tu activais notre générateur, je serais soulagé. Alors, ils n'arrêtent pas de nous voler nos pierres de foudre. Si tu les remplaçais toutes et si tu activais notre générateur, je serais soulagé. Ouh, difficulté 4. Elles sont où les pierres de foudre? Ah, il faut que je leur crache dessus peut-être. Non? Et il est un peu bizarre ce mob. Ok. Et il y en a 10. Et où je les lance, les pierres de foudre? Deux, très bien. Qu'est-ce que je dois faire avec les pierres de foudre? Je dois les lancer dans le générateur, peut-être? Attendez, il y a... C'est pas là qu'il faut que je... Non, même pas. Et si vous dites oui, aurore boréale, c'est juste parfois. Ah non, c'est pas l'aurore boréale, Shadowhammer. Si tu veux tout savoir, je vois mon plafond. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est bien résumé, j'ai bien compris, Top Top, c'est parfait. Tu n'arrives pas... Alors attendez, je vois pas ce que je peux faire avec ces... C'est quoi, ça sert juste à leur tirer dessus? Ils sont de retour pour nous jouer des mauvais tours? Attendez. Mais ils reviennent à chaque fois? Ils réapparaissent ou quoi? Ah ouais, ils réapparaissent. D'accord, non mais en fait les pierres elles sont là juste pour faire joli. Par contre, ouais, c'est ça, il repop. Hein. Bon bah juste de gauche à droite, ça repop là. Hein. J'ai bien cette impression là. Hein. Il va arriver en face. Ok, 6. Et que des allers-retours là. Hein. Ok, on retourne de l'autre côté. J'ai failli tomber dans le vide. Ok, super. Il fait un 8. Hein.
Ok. Ensuite. Par où? Par ici. Et on y retourne. Mécanique de gameplay foireuse là quand même. Hein, faire des allers-retours comme ça à droite à gauche. Donc, du coup je peux aller lui reparler. Il est où ce couillon? Il est là. Ah, attends, j'ai rien compris. Les orbes de foudre, il faut les mettre sur les générateurs avec les barres noires. Ah non! J'ai jeté. C'est ça, là. Faut les jeter ici. Ah, mais on ne nous dit pas tout. Merci beaucoup, Top Top. On ne nous dit pas tout. Ils avaient pas dit les barres noires. Bon, j'espère que celle que j'ai jetée dans la mer. Donc c'est ça, il fallait les buter pour pas qu'ils les volent. Parce que ça aussi, non, ça aurait servi à rien de les poser s'ils venaient les voler. J'espère qu'il y en a assez, hein. Une de l'autre côté ou pas? Non. On va venir les placer ici. Ok. Il m'en manque une là. Il m'en manque une. Et on est bon. Sinon, quand je sors, je vois des étoiles et la lune. Ah, c'est quelque chose, tu peux pas... Si t'es un vrai réunionnais, Shadow Wabber, tu peux pas être passé à côté. Allez, nous sommes à 11 orbes. Par contre, carnet... Poursuite des voleurs de pierre. J'avais pas une quête en cours. Oui, ici, les interrupteurs. Alors ici, est-ce qu'il y en a des interrupteurs? Il y en a pas. Si, là-haut, non, même pas. Non, même pas. Réflexion. Je vois pas, hein. Je vois pas. Non, ça, c'est le début du niveau, là. Écoutez, je suis un peu paumé, là. Là, ici. Deux couchers de soleil. Et après, tu y vas juste pour pécho, quoi. Comment ça? Le nôtre est rarement aussi impressionnant. Comment ça, deux couchers de soleil? Qu'est-ce que vous me racontez? Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits sur la Terre où le soleil ne se couche jamais? Réussi à préserver ce talisman des machinistes. Je te le donne en récompense. Ah ben merci bien, tu es bien bon, Brénil l'électrol. Tu vas me filer une orbe. Ah non, c'est le talisman. Ah, attendez là. Attendez. On est pas dans la merde.
On n'est pas dans la merde, les gars. Il se couche forcément, Wham. Il n'y a pas un endroit sur la Terre où la nuit ne tombe jamais. Faux, Docteur Nintendo. Faux. Tu sais que la Terre tourne sur elle-même de façon inclinée. Monsieur Top Top, on va faire un petit cours de d'astrophysicio-géographie. Où ça alors ? Dans le pôle Nord. Et c'est des phases où il fait jour 6 mois dans l'année et il fait nuit 6 mois dans l'année. En Antarctique, c'est tous les 6 mois, mais il se couche quand même. Oui, il se couche. Vous m'avez compris. Quand je dis il se couche pas, il se couche jamais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ben, il se couche alors. Ah, je suis surpris que Docteur Nintendo... Ah, ça, je le savais. Allez. Un orbe, il m'a dit, Top Top. Ah, mais là, c'est mort, hein. Je dirais toujours une orbe. Hein. Alors attendez. Attendez, je veux pas finir le niveau. Parce que là-haut, déjà, je sais pas comment y aller. Top Top, je vais avoir besoin de tes conseils. Il y a forcément un endroit où il y a un interrupteur. Là, celui-ci, il est où l'interrupteur pour celui-ci ? Là, il n'y a pas d'interrupteur pour celui-ci. Là, il n'y a pas d'interrupteur non plus. Ah, c'est chaud. Même si ton jour dure 6 mois, il se couche quand même. Si tu dis jamais, c'est qu'un endroit continuellement exposé au soleil, soit à la lune. Va au niveau du PNJ qui était en hauteur quand tu as détruit le grand moulin. Quand j'ai détruit le grand moulin. Le PNJ qui était en hauteur. Ah oui, c'était par là. J'avais cassé un moulin. Alors c'était par où ? C'était par où ? On va revenir en arrière. Donc j'avais pris ce chemin-là, j'avais fait le grand virage, je m'en souviens, et ensuite voilà, j'étais passé ici, il est là, le PNJ en hauteur. Très bien. Donc je... Oh, attendez. Ça veut dire qu'il faut que j'aille dessus. Attendez, m'en dis pas plus, Top Top. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Il faut que j'aille sur l'hélice. Eh oui, oh là là. Eh oui, effectivement, je vois des jarres là-bas. Et ensuite, que je saute sur... Ok. Au bal masqué, ouais. Elle ne peut s'arrêter. Mais du coup, tu parlais de coucher de soleil pour la réunion ou pas? Non. Je parlais pas du coucher de soleil. Il y a quelque chose de particulier dans le ciel le soir. C'est quand même quelque chose d'assez reconnu pour l'île de la Réunion. Ah oui, d'accord. Bon, faut que j'y aille de suite. Oh là là, faut que je me retape tout le chemin. Oh, putain de merde. Ok, faut que je me retape tout le chemin. Alors, mais de quoi tu parles ? Ah, il veut savoir, Docteur Nintendo. Oh, il me fait penser au Gumball, Docteur Nintendo. Merci beaucoup pour le Gumball perdu, Monsieur Docteur Nintendo. Ah, ça va être hoche. Ouais, donc, en gros, faut que j'y aille. Faut que j'y aille à fond, de suite. Mais quoi ? J'ai pas appuyé sur le bouton ! Mais c'est ignoble ! C'est ignoble ! Des étoiles filantes, non ? Non ?
pas forcément. Il y a des étoiles filantes comme de partout il peut en avoir. Mais il y a quelque chose qui est propre à l'île de la Réunion et d'autres endroits sur Terre. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France, par exemple. Oh, c'est passé! Ouh, c'est passé. Ah, c'est par ici. Tu fais du bon travail, Spiro. Merci beaucoup, Top Top. Elle te portera chance. Si tu veux savoir comment faire pour arrêter l'usine, demande-moi. Prends cette babiole, te portera chance si tu veux. Oh, mais c'est juste pour l'avoir atteint. C'est juste pour l'avoir atteint. Le prochain vol sera difficile. Tu devras battre des ailes pour le réussir. Appuie sur action pendant que tu planes pour battre des ailes et prendre de la hauteur. Très bien. N'oublie pas d'appuyer sur action quand tu seras près du moulin. Sinon, tu n'y arriveras pas. Ouh, difficulté 5. Oh putain, ça veut dire que je dois me retaper le chemin à chaque fois? Oh, first try, les gars. Ouh, attendez, ça veut dire qu'il faut que je le refasse sur l'autre moulin. Oh là là, first try. Et c'est pour aller où? Ah, c'est pour aller sur le toit là-bas? Ok. Et ensuite, ça va me permettre d'aller là-bas? Ok. Et ensuite, ça va me permettre d'aller là-bas. Un tourbillon s'est créé pour pas te retaper le début. Ah, ils sont gentils quand même. Merci beaucoup, Top Top. Oh, con, d'accord, ok. Ah, mais elle est là-bas, l'orbe. Elle est là-bas. Est-ce qu'il y a un tourbillon qui s'est créé là? Non? Ici, on n'a pas de tourbillon par hasard, hein. Ok, d'accord. Dès qu'il s'ouvre, je peux y aller. Non ! Mais j'ai appuyé ! Non, pas ici, n'en demande pas trop. Non, mais je suis dégoûté. Si tu dis... Non, c'est pas des lucioles, les gars. C'est pas des lucioles. Donc, il est où, ce tourbillon? Il est où, ce tourbillon, les gars? Ah oui, c'est bon. Ah non! Le prochain vol se... N'oublie pas. Non! Non! Au secours! Non! Bon, on a notre objectif pour la fin de ce live. Bon, vous trouvez pas? Oh, j'ai fait nimp. Je fais nimp. Tu penses encore finir pour dimanche? Ben, je pense qu'il y aurait un marathon. Quand je dis marathon, ça veut dire qu'il y aura un moment donné où je vais peut-être taper 4 ou 5 heures de live. Dans le week-end, parce que j'ai le temps. Donc, c'est faisable. Donc oui, ce week-end, il y aura un marathon.
Non ! Mais non ! Oh putain de merde. Je vais... Ça y est, ça va commencer à me monter la moutarde au nez, les gars. Les gars, la moutarde au nez va me monter. Je le sens. Là, ça doit être un de ces clichés de merde. Non. Mais vous voyez, je vois que vous galérez à trouver, donc je vais proposer 1000 points de Whammer à celui qui va trouver. Mais j'ai appuyé, pourquoi? Mais j'ai appuyé! Pourquoi il pique du nez comme ça quand j'appuie sur le triangle? Bon, c'est bien, parce que c'est plutôt cool parce que c'est une phase de plateforme pure. Hein. Donc, Spyro, c'est beaucoup d'exploration. Mais il y a quand même pas mal de phases de plateforme et qui sont intéressantes. Comme par hasard, tu trouves quand il y a des points. Alors, attendez, qui a trouvé? Qui a trouvé? Là, ça doit être intelligent. J'ai trouvé les pizzas pas chères. Non, c'est pas les pizzas pas chères. Et pour un réunionnais, je suis surpris. C'est la nuit dans le ciel, bordel de merde. La nuit dans le ciel. La nuit dans le ciel. C'est pas compliqué tout de même. On sort de bonsoir. J'adore quand tu complimentes Spyro. Non ! Non, là, ça va commencer à me chatouiller, là, les gars. Là, ça va commencer à me chatouiller sévère, les gars. Ça va commencer à me... Je l'ai fait first try tout à l'heure, là. Ça va commencer à me chatouiller sévère. La moutarde me monte au nez. Il y a une constellation spécifique, non. Mais... On se rapproche. C'est pas la lune qui est plus grosse à la Réunion. Non, top top. Allez, envoie la réponse. Je te réponds si c'est un cliché ou pas. Ah, c'est pas un cliché, hein. C'est quelque chose de réel, hein. Clairement. Bon, concentration. Je verrai ça, ça me gêne déjà. Mais j'ai appuyé, putain, ça m'énerve. Pourquoi il me fait pas le battement d'aile? J'appuie. Bordel, j'appuie, bordel. J'appuie, les gars. Non mais attends, si j'ai plus de vie, ça fait quoi? Si j'ai plus de vie, Top Top, me dis pas que le bordel, il disparaît, là. Le prochain vol, n'oublie pas. Salut, Big Matt! Comment ça va, Big Matt? Alors, je suis en train de rager. Big Matt, il arrive quand je rage. Bon, après, je peux sauter sur l'hélice de là-bas pour essayer d'aller plus vite. Mais j'ai peur de foirer. Allez, on s'en fout, on le fait. Et j'ai failli me foirer, hein. Je comprends pas, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien, je comprends pas. Alors, ça va, merci. Le game over a peu d'importance et te remet juste au début du niveau.
Mais tout est sauvegardé, merci beaucoup Top Top. Un congé tranquille. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, monsieur Big Matt. Avec tous mes respects et mes salutations. Le WOM n'a pas pris de vacances pour ses vacances de la Toussaint. Ouf, on y est. Oh là là. Oh, c'est bon, on a réussi. Le vacarme est insupportable. Spyro, l'interrupteur peut arrêter l'usine des machinistes et dans cette salle, mais le vacarme est insupportable. Comment ça, le vacarme? Quel vacarme tu me parles? Moi, je vais aller te foudroyer tout ça. Magnifique! Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci. À Barcelone, sans les enfants. Tu peux le prendre si tu veux. Là, tu te reposes un peu, là. Je dois reconnaître que tu dois te reposer. Pas de go? Non, go, pas tout de suite. Pas les moyens pour le jeu en day one, mais je pense que ouais, je vais le faire d'occasion. Parce que je vais le faire quand il sera un petit peu moins cher. Parce que le 1, j'avais apprécié. Mais j'ai remarqué quand même qu'avec la plupart des gros jeux AAA, malheureusement, bon, il y a des très bons gameplays. Mais j'ai l'impression que les Last of Us Part 2, les God of War et les grands jeux AAA, tu fais ça presque plus que pour l'histoire. Horizon Zero Dawn, Forbidden West. J'ai l'impression que je fais ça que pour connaître l'histoire. Mais le gameplay de God of War quand même était très intéressant, du premier épisode. Et oui, je compte le faire, et je compte le faire en live aussi. C'est ce que je dis depuis longtemps, WAM. Et oui, je sais, mais je commence à le reconnaître, hein, Docteur Nintendo. Hein. Mais les gameplays sont intéressants quand même. Mais on n'est plus sur quand même des mécaniques de gameplay qui sont innovantes ou voire même fulgurantes ou intéressantes. On est sur du gameplay basique qui fonctionne, mais voilà, c'est... Ils misent tout sur le visuel et l'histoire. J'avoue que les histoires sont belles. Hein. Ils doivent payer des scénaristes comme des showrunners de séries télé. Par contre, malheureusement, ça reste des jeux classiques. Parfait. Donc là, tu me confirmes, Top Top. Je peux même quitter le niveau de moi-même, non? Puisqu'on a les 3 orbes, parfait. Et du coup, on doit aller où? On va aller parler à l'ours pour débloquer la situation. Donc il faut que je sorte. Je peux mourir, hein, c'est bon. Tu peux quitter. Ah ben parfait. Impeccable, on a perdu une vie pour rien. Allez, dis le cliché qu'on en finisse. Je prends Breath of the Wild, putain, niveau gameplay, on est sur un truc énorme. Hop, on peut quitter, il nous a dit Top Top, magnifique. Non, pas quitter le jeu, quitter le niveau, oh là là. Donc ouais, go, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse pour savoir ce qui se passe. J'ai mis quitter le niveau. Ah non, c'est parce que je le quitte qu'il y a ça. Ah oui, d'accord. Mongolito, puissance 1000. Numéro bonus! Qui a fait péter le numéro bonus? Docteur Nintendo, numéro bonus, 1000 points de Whammer. Alors, Shadow Whammer, tu trouves toujours pas? Est-ce que je vous donne un indice? Je l'ai, mais j'ai pas encore testé. Ah oui, non, mais c'est du triple A. Hein. C'est tiens, prends plein la tronche. Je me souviens encore des scènes cinématiques du premier épisode. Des bagarres entre... Je me souviens d'une bagarre de Kratos avec,
avec Mulgir ou Muldor, je ne sais plus. Mais c'était des batailles dignes d'un animé, hein. Dignes de Dragon Ball Z, hein. avec des je t'attrape la tête et je te la fais glisser contre toute une paroi, toute une falaise de glace. Hein. Donc plage ensoleillée. Donc du coup il faut que j'aille parler à l'ours. On va pouvoir peut-être affronter le premier boss. Alors on va peut-être affronter un boss, hein, parce que ça fait deux lives, on n'a pas fait un boss. Non, c'était pas là. C'était où? C'était pas là. Urikos, on vient de faire. Plage ensoleillée, on vient de faire. C'était peut-être par ici. Donc il y avait l'ours qui nous proposait, moyennant finance. Voilà, ici. Dis, Spiro, tu as vu ce mur-là? Tu as sûrement envie de savoir. Et pour 400 ah, oui. balles, parfait, on va baisser. La beauté étincelante de ces gemmes. Je l'ai platiné le premier. Ah, tour Aquaria. Donc là, c'est pour un niveau. Est-ce que c'est un boss ici, Top? Est-ce qu'on a droit à un boss par hasard? Est-ce que tu l'as fait d'abord, ce Spiro Big Matt? Est-ce que Tour Aquaria, c'est un boss? On va demander à Top. Non, je me souviens. Non, God of War, c'était du très très lourd. Oh, il a éternué, le petit Spiro, il est mignon. J'abandonne, je trouve pas le cliché de ces grands... Alors, ce n'est pas un cliché. Non, j'ai jamais trop joué à Spiro, ok. Non, c'est pas un boss, mais va au dernier portail. Quand tu me dis au dernier portail, c'est celui-là. C'est le Tour Aquaria, c'est ça? Tu me dis d'y aller, en fait, hein. Rentre dedans, hein. C'est ça? Non, pas celui-là. Ah, il y avait un dernier portail? J'ai pas vu de dernier portail, moi, les gars. Attendez. C'est-à-dire que c'est de l'autre côté? Alors, il y a bien Urikos, la plage ensoleillée. Alors, ça veut dire qu'il y a un niveau ici, alors. Ah, ici? Les orbes que tu portes ont... D'accord, donc là, c'est le circuit marin, c'est ça? Ils sont où les boss, sans déconner? Ah, j'arrive à Tour Aquaria ensuite. D'accord. Attendez, il y a une sortie ici, là. C'est quoi? Ça change rien du tout. À quoi ça sert, là? Ils me prennent pour un con? Non, c'est le contraire. Le gameplay doit être bon, mais surtout l'histoire. Oui, mais ça, je reconnais. Mais franchement, j'ai vu un petit peu des let's play, là, sur God of War. Vite fait, j'ai regardé les 10 premières minutes. J'ai l'impression que, déjà, graphiquement, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'il était déjà très beau, extrêmement beau pour la PS4, le premier God of War. Et au niveau gameplay, je vois pas de différence. Donc là, on doit choper... Ok, c'est une session de vol, très bien. Ok, le premier est facile. Sont où les autres? Je vais en rater, c'est sûr. Ah, oh, c'est sûr que j'en ai raté un. J'en ai raté un, c'est sûr. Oh, ça m'avait énervé, ça, dans le premier épisode. J'en ai raté un. Il est là.
Réessayer. Si je me souviens bien, c'était pas primordial. Hein. Big Matt, c'est vraiment le contraire de moi au niveau des jeux. Moi, c'est le contraire. Le gameplay doit être bon, mais surtout l'histoire. Mais qu'est-ce que... J'ai pas compris ta phrase, Big Matt, en fait. Ça veut dire que dans God of War, ce que tu préfères, c'est le gameplay, mais surtout l'histoire. Et j'ai vu le résumé de l'épisode 1 de God of War dans God of War 2. Tu te rends compte aussi que scénaristiquement, c'est très bien scénarisé, mais il n'y a pas de trop grand, de très grandes révélations. C'est là où tu te rends compte que tu fais pas grand-chose scénaristiquement. Dans Spyro 2, tu as 400 joyaux et un orbe à récupérer. Mais pour récupérer l'orbe, il faut faire le tout en un. D'accord. Par circuit. Il dit que le gameplay doit être bon, mais le plus important, c'est l'histoire d'un jeu. Ah, d'accord. Attends, j'avais pas compris. Moi, c'est le contraire. Le gameplay doit être bon, mais surtout l'histoire. Oui, le gameplay doit être bon, mais s'il est pas fou et pas innovant, peu importe si l'histoire est bien. Ça, je le reconnais aussi. Hein. Moi, franchement, ça veut dire que tu aimes les jeux Quantic Dream, Big Matt. Ça veut dire que tu aimes Detroit Beyond Human. Tu dois aimer aussi... Tu dois aimer aussi, comment il s'appelle, le jeu sur les origamis Heavy Rain. Tu dois aimer Beyond Two Souls. C'est des jeux niveau gameplay. On n'est pas loin du zéro de l'infini. Hein. Zéro de l'infini. On n'est pas loin du zéro de l'infini. Mais l'histoire bah, te fait jouer au jeu. On peut partir là, Top Top, je crois. C'est bon. Balek hein. Ah oui, d'accord, ça te file des orbes quand même. Hein. Donc oui, le tout en un, c'est pour une orbe. Je vais faire l'impasse parce que je vais rager sur ce genre de niveau. Je vais rager sévère. Je veux dire, hein, Mario, tu y joues pas pour l'histoire. Oui, effectivement. Allez, c'est parti. On file sur Aquarius. Par contre, là, j'ai pas compris, hein. Il y a une orbe en plus derrière. Attendez, il y a une orbe. Comment je fais, les gars? Comment je fais pour passer, là? Regardez, il y a une orbe. Justement, c'est ce que je dis. Ben, j'aime pas Mario, MDR. Oui, c'est ce qu'il disait Docteur Nintendo. Effectivement, Big Matt. Attendez là, je ne comprends pas. Houston, we have a problem. À moins de passer par la fenêtre, je ne comprends pas. À moins de passer par là, et encore, il n'y a pas de passage. Ici, on a quoi? Attendez. Attendez, si je fais ça... Pas moyen de passer par la fenêtre, on est d'accord. Si je fais ça et que je choisis circuit marin, que je sors un orbe, j'ai envie de te retirer 20 points à chaque fois que tu dis une orbe. Ah non! Non, Top Top, c'est pas de ma faute. Toute ma vie, j'ai dit une orbe. Je quitte. On va voir si j'ai réussi à casser le game. La prochaine fois que tu achètes un jeu, dis-le-moi, Docteur Niro, je le prendrai pas. Attendez, j'ai rien fait dans le niveau et j'ai chopé des joyaux. Alors, est-ce que j'ai réussi à casser le game? Mais non, ça sera fermé. Mais non.
Doctor, est-ce qu'il y a une solution là? Qu'il y a une solution top top là pour cette porte. Tu joues sur PS4 ou émulateur? Ah, on est sur PS4 quand même, Fun Lily. Typiquement un jeu comme Assassin's Creed Valhalla, je l'ai suivi en stream car je voulais suivre l'histoire. Mais moi, y jouer jamais. Est-ce que tu as fait la dernière mage? On va aller faire le dernier niveau, la tour Aquaria. Oui, il y a toujours une solution. Avec ton dragon Solus. Merci beaucoup, Top Top. Je voulais savoir si Big Matt, il avait fait le dernier DLC gratuit, la dernière mise à jour gratuite, avec... Oh, il est vilain, le monsieur. Il veut pas lui donner de l'eau. Pourtant, il a l'air d'être gentil. Ok, salopard. L'autre, il prend son bain dedans, en plus. Les types bizarres avec des bâtons électriques ont siphonné toute notre eau. Ah, ils t'ont siphonné l'eau. On ne pourra pas la récupérer, à moins que quelqu'un active leurs interrupteurs. Ah ben, on va activer les interrupteurs, t'inquiète pas. Le mouton avec le... Avec le scaphandre... Le mouton scaphandrier, je trouve ça pas mal. Alors, les interrupteurs, c'est ça? Effectivement. Ah ouais, ben... Oh, pas mal. Pas mal. 4. Il faut que je bute 14 mobs pour qu'il y ait un truc spécial ici. D'accord. Mais j'ai fait aucun DLC. Il y a eu plein de mises à jour gratuites, des tombeaux, plein de trucs. Je compte les faire un de ces jours. Hein. Je compte les faire. Et le dernier DLC, c'était une sorte de... C'était une sorte d'arène avec des hordes d'ennemis, si je me trompe pas, Top Top. Et le boss final, c'est un dragon. Ah, je pense avoir compris. Ah, il m'a défoncé, lui. Je pense avoir compris. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, l'eau va augmenter. Il va avoir de l'eau de partout. Ça va être un niveau complètement sous-marin. Alors, toujours pas trouvé, Shadowhammer? Alors, je vais vous donner l'indice. Je vous l'ai donné, l'indice. C'est par rapport aux étoiles. 1000 points de Hammer, quand même. 1000 points de Hammer pour me dire ce qu'il y a dans le ciel, la nuit. Ah, je peux pas faire de feu. Eh bien. Moi, je peux me faire bouffer. One shot? Ah ouais, one shot les requins, ça rigole pas. Ouh, il fait des points Shadowhammer. Hein. Mais elles sont quoi les étoiles? Allez, je vais donner encore un indice pour 1000 points de Hammer. La formation des étoiles à l'île de la Réunion, la superposition des étoiles crée quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je rappuie sur les boutons à chaque fois? Ah, ici. Faut que j'aille ici. Un halo de lumière blanc. Ça a un nom. Ça a un nom, monsieur Shadowhammer. Les étoiles sont là même la journée.
Non, ça se passe la nuit. Quoique, tu me diras, on peut l'avoir le jour peut-être. Mais ça, j'en ai aucune certitude. Par contre, on la voit très très bien la nuit. Et je vous ai donné un indice. On peut descendre ici. On peut aller là-bas à droite. On va aller fouiller à droite d'abord. Ah oui. On est déjà venu là, on est mort. Donc, on va pas y aller. On va plutôt aller en bas. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de boss, quoi. Quand même presque... Presque 3h30 de live, pas un seul boss, les gars. C'est normal? Est-ce qu'il va me dire merci, lui? Dis pas merci, hein. C'est limite des donjons, là. C'est limite un donjon, ce niveau. Hein. Un halo solaire, il m'a dit. Un halo solaire. Bon, j'ai pas buté 14 mobs. Donc, il faut que je bute le... Il y avait pas un mouton par là, par hasard? S'il est là-bas. Je bute le mouton. Combien? Non, c'est pour de la vie. Non. Franchement, là, je suis un peu paumé. Hein. Je suis un peu paumé, là. Au secours. 5. J'ai pas encore compris le principe là. Pas de porte là. À mon avis, les portes vont pouvoir s'ouvrir à un moment donné. Et je vois pas où je peux aller, hein. À part là. Mais je me suis fait buter tout à l'heure. Pas possible. Mais c'est surtout qu'aucun nom n'a été donné au phénomène. Mais fais pas chier, c'était une fois en 2013. Après ce niveau, tu auras les 6 talismans pour affronter le boss. Bon, il faudrait au moins essayer de le finir. Moi, je veux bien finir par un boss, là. Je veux bien finir par un boss, les gars. Par contre, il m'a l'air compliqué, ce niveau, hein. M'a l'air compliqué. Le problème, c'est qu'il faut que je bute... Oh, c'est chaud, là. J'ai compris en premier, donc j'ai les points. Alors, attendez, c'est quoi? Y a pas... Y a plein d'articles qui en parlent, mais y a aucun nom. Ah non, mais c'est pas qu'à l'île de la Réunion, les gars. Je vous l'ai dit dès le début, hein. Ça dépend de l'axe où tu te situes sur la planète Terre. Je suis surpris quand même que vous connaissiez pas le nom... Le nom exact... Ah, il y a des mobs, là. Attendez, il y a des mobs. Ok, je suis qu'à 7. À part buter 14 mobs, là, je sais pas quoi faire. Ok, on est à 9.
Tu vas pas me dire les éclipses quand même, non? Les éclipses, c'est partout dans le monde, les éclipses. Dans la salle, dans la salle avec la porte 5, remonte à la surface et traverse le pont. Donc du coup, la porte 5. La porte 5, c'était par là. Merci beaucoup, Top Top. La porte 5. Quatre, cinq, non? Non, trois. Ah merde, je suis revenu. Revenu. Ah, ça va être casse-tête. Alors attends. Oui, la 5 est là. Donc dans la salle avec la porte 5, remonte à la surface. Okay. Donc là je suis sur... Ah mais... Je suis pas passé par là? Mais non, je suis jamais venu. Ah mais je suis con, j'ai oublié d'où je revenais. J'ai oublié d'où j'arrivais. Oui d'accord. Qui c'est qui me touche là? Ah ouais, non, mais là, c'est juste un problème de mémoire, hein. C'est juste un problème de mémoire, les gars, hein. Alzheimer, on m'a encore frappé. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Oui. Salut, Spiro. Mais tu dois être plus costaud que tu n'en as l'air pour être arrivé jusqu'ici. En tout cas, tu ne pourras pas passer les requins de métal. Je suppose que je pourrais... Va falloir raquer mon sous-marin. Contre une modeste somme. Combien? 100. Oh, ça va. C'est un plaisir de faire... D'accord. Et j'ai zappé des trucs, là. J'ai zappé des trucs. Est-ce que je peux le reprendre, le vaisseau? Allô, tout simple. Non, mais même Google me dit rien. C'est parce que c'est pas lié à la réunion. C'est pour ça. J'ai réussi à trouver Beautiful Joe dans un catalogue de plus de 700 jeux en voyant un centimètre carré du truc, mais ça, je trouve pas. Effectivement. Bon, j'espère que j'ai rien raté. Si j'avais su que je partais dans un autre secteur, j'aurais un peu plus fouillé. Hein. Alors. Des tours Aquaria en souvenir de... Ah ben voilà, c'est la fin du niveau. Pétrel de barreau. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voulez un indice? Encore une fois? Je veux bien vous donner un indice, hein. Alors attendez. Je suis revenu au 4. Ici, c'est quoi? C'est la flamme. Est-ce que je peux péter ça? Ah non, je peux pas. Je sais pas ce que je vais devoir faire avec les flammes. Hein.
sais pas ce que je pourrai faire avec les flammes. Bon, écoutez, on va prendre le talisman. On va rentrer à la maison. Et on va faire le boss. Pour terminer ce live. Un feu d'artifice. Elle lui a fait peur, quel salaud. Et là, c'est un vrai derrière. Moi, j'aurais fait une petite tache marron derrière ses fesses. Ça aurait été rigolo. Ben oui, pour... parce que là... Non, c'est pas un feu d'artifice. La nuit. Mais c'est... je vous ai dit que... Il va nous sortir le halo de Velderquecht. Non, ce n'est pas ça. Allez, je vais vous donner un dernier indice. Le dernier indice est le lait. Le lait. Le lait. Bon, c'était où Alors, c'était où le truc où me demandait 6 orbes? C'était ici. Bien joué, Spiro. Maintenant que tu as les 6 talismans... Les 6 talismans, pardon. Go le boss. Avant d'arriver au donjon du château, je pense que tu devrais savoir comment Merci. Rito et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois, la semaine dernière... 1000 points de Whammer pour Dr. Nintendo. Demi écrémé, il a dit Big Matt. De super portail. Bon, le dernier orbe est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5. C'est mon anniversaire. Non, chasseur, arrête. Quoi? Oh, quand le léopard, il va encore les foutre dans la merde. Oh, Ripto, il est là. Lâchez-moi, bon idiot ridicule. Pourquoi aucun de vous... Où sommes-nous? Pas de dragon. Merveilleux. Crash, retourne faire mes valises. On emménage ici. Dites bonjour à votre nouveau roi. Professeur, fermez-le, vite. Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash, le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar. Vite! Non! Calme! Crash! Prenez les orbes, vite! Ah, méprisable petite créature! Je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... C'est clair, le méchant en mousse. Pas les dragons. Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas, Lueur? C'est un peu plus scénarisé. C'est un peu plus scénarisé que le premier Spyro quand même. Hein. On ne voit pas la Voie lactée. Si, à la Réunion, on la voit. Désolé. On est proche de l'équateur, nous voyons la Réunion. Nous, à la Réunion, on est proche de l'équateur et on voit la Voie lactée. Oh, attendez. Comment ça marche ce boss ? Ok. Ok. Est-ce qu'il faut que je lui crame le cul? Ça marche pas. Est-ce qu'il faut que je lui rentre dedans? Non. D'accord, ok. Ah,
Alors attendez. Il y a quelque chose que je comprends pas. Les gars. Ah, j'ai réussi à le toucher. D'accord. Ils sont gentils avec les moutons. En fait, c'est entre deux. C'est entre deux. D'accord, il faut que je m'échappe. Ah oui, d'accord, c'est une boule. Il est pas content. Oh, faut pas que je sois trop loin à chaque fois. Parfait. Ouais, pas mal. Parfait. Ah. Ça va. Et donc là, les bleus, c'est les vagues. 3 cette fois. Parfait. Ça sent le first try, les gars. Ça sent le first try. Il s'est fait renverser une montagne sur la tronche. La Réunion à côté de l'équateur ? Pas tout proche. Tu as peut-être pu battre. On s'en rapproche en tout cas. Mais gueule, t'as un adversaire bien plus coriace. Faites ton mieux, mon gars. Gulp, viens tout de suite. Détruis-le. Non, il y a un deuxième boss ? Ah non, il va lui demander de le faire sortir. Adieu, dragon. Quelle mauviette. Merci pour le GG, Top Top. Crush vaincu, donc Top. Top Top nous a dit qu'à partir de là, les boss allaient être une vraie galère. Une vraie galère, les gars. En tout cas, bravo à Dr Nintendo qui a trouvé la voie lactée, mais avec l'indice du lait, quand même. À côté de Neo Cortex, c'est un réel génie du mal. Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites frasques m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné. Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser. En fait, j'irais même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantam à l'université. Et je ne suis pas encore rouillé. Prends ça. Et ça. Non. Il est là, Ripto. Pourquoi ? Le vrai génie du mal, c'est Wham. L'aventure continue. Donc là, on arrive dans un nouvel environnement. C'est ça. La terre de Skelos. Glacier de cristal. C'est ça, on arrive dans un nouvel environnement.
un peu plus automnal, j'ai envie de dire. Wham ! Oui, Shadowhammer, et nous voici dans le monde 2. Et est-ce qu'on a atteint la moitié du jeu, Top-Top ? La moitié ou un tiers ? Mais en quoi il fait peur ? Un coup de pompe ? Et c'est fini. Eh ben tu dis bien, car ce monde s'appelle les plaines automnales. Ah ben comme quoi? Comme quoi le Wham? On dirait le tiers du jeu. Donne-moi la différence entre une putain de galaxie et la Voie lactée. Eh ben en fait... La Voie lactée, c'est la superposition des étoiles. Parce que les étoiles forment une ellipse autour de la galaxie. Et proche de l'équateur, on voit cette superposition d'étoiles. Ce qui donne un aspect lumineux, un espèce de nuage dans le ciel. Une espèce de nuage dans la nuit éclairé, une espèce de nuage éclairé. Et la galaxie, oui, en fait, tu vois la superposition des étoiles de ta propre galaxie. On sent que Wham veut gagner la dernière de au suivant. On est pas mal, Top-Top. On est pas mal. J'espère que ma salve passera, d'ailleurs, hein. Je me suis pas fait chier à créer une salve pour qu'elle ne passe pas, Top-Top. J'exige et je souhaite qu'elle passe dans dans la première salve. Je veux pas savoir le pourquoi du comment, je veux qu'elle soit dans la première salve. Merde, c'est quand? Le 25 novembre, normalement. Vers 22h30. Ah ben oui, tu as pas envoyé ta salve. Le Wab a envoyé sa salve, monsieur Docteur Nintendo. Oui, toutes les salves passeront, parfait. Tu as reçu combien de salves, Top-Top, pour le moment? D'ailleurs, Big Matt, s'il est là encore... Monsieur Big Matt, je sais pas s'il est là. D'ailleurs, Big Matt doit envoyer une salve. Ah, que la mienne pour le moment. Eh ben écoutez, monde 1 terminé, c'est très bien. On va relive-er peut-être demain après-midi. Demain, je vous donne les indices du prochain jeu en live pour 3000 points de Whammer. Monsieur Docteur Nintendo ne participera pas parce que c'est lui qui a choisi ce jeu. Il s'agit d'un jeu au choix. Donc, soyez attentifs. Merci à vous d'avoir été présent. J'ai toujours quand même du plaisir à jouer à ce Spyro. Hein. J'ai du plaisir. Attends, Wham, je vais t'envoyer des indices. Envoie-moi tes indices, Docteur Nintendo. Tu as toute la nuit pour me les envoyer. Mais si demain, j'ai pas tes indices, j'enverrai les miens. Monsieur Docteur Nintendo, à bon entendeur, je vous remercie avec accusé de réception et salutations distinguées. Merci à vous d'avoir été présent, un grand merci à Shadowhammer, Docteur Nintendo, Tap-Tap, Von Lily, Toskunk, pas Toskunk, Toskunk n'était pas là ce soir, mais on lui passe le bonjour. À Big Matt, je vous souhaite une excellente nuit, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de Spyro. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture... Et à jamais dans le tramway, bien sûr. Je crois qu'on va faire un barbecue. On dit...
dirait que je vais avoir du travail. Merci de m'avoir libéré. Tu es déjà? Spyro. Je suis un peu fatigué.